Les 7 actus VE du 5 avril 2023. Kia EV9 GT, une version ultra musclée en préparation pour 2025. Toujours plus. Pininfarina Battista, monstre électrique de 2000 chevaux qui bat des records. Cousine technique de la Rimac Nevera. Le point sur le nombre de stations de bornes et bornes de recharge en France en date d'avril 2023. Donc ça permettra de faire un point tous les 4-5 mois, on va dire. Donc la 1000e station a été installée enfin en France. Donc là, c'est des stations, c'est des chargeurs supérieurs ou égaux à 100 kW, hein, dans cette image. Toyota Prius 5 et des prix stratosphériques en LD pour l'Europe. Voilà, qui va pas arranger les affaires Toyota. Et peut-être qu'ils veulent pas en vendre après. Hein. Toulouse, une utilisatrice de VE, victime d'une arnaque sur le réseau de recharge Toulibéo. Bon, dommage, j'ai pas pu lire tout l'article vu que c'est payant. Volkswagen ID.3, voici la nouvelle grille tarifaire de la version restylée. Et enfin, une technologie de batterie qui pourrait faire gagner 20% d'autonomie en plus. Batterie révolutionnaire de la semaine. À demain. Pensez à vous abonner.